Bonjour et bienvenue, nouvel épisode Wulong, c'est parti. On a du pain sur la planche. Je voudrais finir les deux épisodes en un... Pardon, les deux champs de bataille en un épisode. Ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Celui-là, j'aime beaucoup l'ambiance. Genre le petit village, genre tout détruit, tout paumé. Avec des démons un peu partout. Honnêtement, ça, je l'aime bien, celui-là. Un de mes préférés, sûrement. Pourtant, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. Mais bon. En tout cas, c'est parti. Allez, chargement, allez, allez, allez. J'ai envie de jouer, moi. On va reprendre les deux de même, les deux renforts. Après, on peut jouer seul, hein. On essaye de jouer seul. S'il faut, je pense que ça va être plus facile de jouer seul. Parce que les ennemis n'auront pas de vie supplémentaire. Je crois qu'ils ont de la vie supplémentaire quand on invoque les NPC. Bougez pas les mecs, hein, bougez pas. Les deux. Ah, il y a trois options. Il y a un ou l'autre et les deux. Ça, c'est bien ça. Headshot. Pas besoin de vous, les mecs. Ah putain, mais arrête de tomber. Chier. Putain, reviens. Ça va. Oh non. Sérieux. Je fais de la merde, waouh. Oh la vache, oh là là, oh que ça va m'énerver. Putain, on est toujours à zéro de morale, c'est ouf quand même. Oh, on s'est fait toucher une fois, on a tué plein de trucs, zéro de morale. Bien. Vraiment le combat débile. Waouh, le combat débile. J'arrive pas à l'atteindre parce que je suis ralenti, elle me repousse, elle m'attire. Catastrophique. Je préfère la partie village en fait, pas la partie forêt. La partie forêt elle est horrible. La partie marécage là. Catastrophe. Merde. Oui, ça c'est l'arbre à faire tomber. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce côté? Si, oui, il y a le gros. Oh. Oh oh. Je sais pas si on va y arriver. Hein. Oh putain, c'est combien de coups, hein, bordel. Je peux aller jusqu'à 4 coups apparemment.
pas loupé. J'ai pas réussi. Ah, t'arrives pas. Ah, quoique. C'est même ce que j'ai récupéré mon esprit en fait, en bloquant ses coups là quand il était au sol. Et du coup j'ai pu faire la variante augmentée de mon attaque. Qui a fait extrêmement mal. Bon, ça tombait bien parce qu'on a plus de... On a plus d'élixir, c'est sympa. Plus de remède. Comment on remonte? Je suis débile ou quoi? Non. Mais... Ah! Là. Oh là là, le lag. On va attendre qu'il arrive. Bon, on a notre dragon qui est prêt. Voilà les missions. La version augmentée, quand on fait ça, en fait, quand on a des problèmes pour briser l'esprit, on peut pas réparer jusqu'à avoir, je crois qu'il faut au moins 3 ou 300, je crois, pour que ça active la nouvelle. Ou alors, faut juste être en positif une fois, hein. Enfin, juste genre à 1. Comme ça, on fait la variante là qui fait beaucoup plus mal. C'est nickel. Ah non. Oh, elle est que niveau 2. On arrive à se remettre un peu des HP en fait, hein. Je viens de me rendre compte là. Bon, si on a des problèmes en fait, on joue un peu défensif pour être en positif, puis après on active l'attaque et elle fait bon bah 100 fois plus mal. Ah, j'ai toujours pas de truc. Merde. Elle fait genre 100 fois plus mal et elle détruit l'esprit encore mieux. Oh là là. Complètement con la NPC. Ouais, mets-toi devant moi pour caster un truc, pour faire un truc, c'est n'importe quoi. J'en ai marre de ces NPC qui sont... Enfin, ces ennemis qui sont complètement teubés. Honnêtement. Ouais, regardez, quand on fait double saut, ça stoppe l'esprit. Vous avez vu? L'esprit tombe plus pendant une fraction de seconde. C'est un bug ou pas, ça? Bizarre. Là, on n'était pas positif. Ah, là, on l'est. C'est bien parce qu'on joue mieux quand on n'a plus de remède. C'est marrant, ça. Cheng Lion, oh putain. Ouais,
J'ai eu peur. J'ai eu peur. D'accord, putain, j'étais sur ça. Ah oui, ce qu'on pourrait faire, c'est... Au lieu de mettre du bois, là, mettre de l'eau pour ça, en fait. Tout simplement. Faire juste plus mal avec les armes à distance. Normalement... Tellement rapide. Effonce tout quoi. Même solo, hein, ça passe très bien. On se reposera au prochain. Pour utiliser ce qu'on a. Merde. Ah, oh, c'est passé. J'ai bien envie d'enlever... Oh merde. Je vais voir... Un truc que j'ai vu. Animation, animation, dégâts subis, caméra, animation, animal, totem. Dégâts subis? Je sais pas, c'est quoi dégâts subis? Ah, c'est genre. Pardon, c'est genre qu'on se fait attraper, j'imagine. Option du joueur. Si votre maçon est venu, est-ce que vous attaquez au corps, genre ça, oui. Concentration sur les cibles. Parce que c'est concentration sur les cibles. Normalement là on n'aurait plus le la caméra qui tourne et tout ça là quand on backstab, quand on attaque et tout. C'est peut-être mieux pour avoir une meilleure visibilité sur le champ de bataille. Comment on va là-haut ? Ça. Là. Très bien. Perce ciel. Machin qui m'a stoppé, quoi. Alors là, c'était magnifique. En plus, c'est un pouvoir, elle le balance une fois, il y a trois éclairs qui tombent, c'est horrible. Boom. Ouais, ouais, y a pas l'animation. C'est peut-être mieux pour voir, pour le niveau visibilité en fait. C'est vrai que les mouvements de caméra, des fois, ça fout un peu le bordel. Merde! Par contre, un truc, c'est que quand je suis en animation, je peux pas tourner la caméra. Donc du coup, bah, ça revient au même. C'est débile, ça, par contre.
Parce que si tu me mets pas le fait que la caméra, elle fait un bordel et tout ça, là, genre cinématique stylée. Bah laisse-moi le pouvoir de tourner la caméra. En fait. Je sais pas. Ça pour moi c'est logique, mais bon apparemment pas pour les devs, j'en sais rien. Ils sont bizarres, hein, l'esprit des devs, hein, c'est bizarre. Quoi. On peut aller là. L'esprit d'un développeur de jeu, hein, c'est pas l'esprit d'un joueur. Je vais retester hein, pour être sûr, mais... ah oui, là aussi. Let's go. Ah oui, là je peux. Ça c'est pas mal ça. C'est vrai que c'est chiant en fait. Là c'est bien. C'est bon, après l'avoir vu 150 fois. Ah, je l'ai peut-être jamais. Oh, erreur. Une erreur de réseau est survenue. D'accord. On s'en fout, merci. Je l'ai peut-être pas celui-là. De panda. Je sais pas quoi lui donner. Très bien. Non, encore. Du 3 pour du 5, pas mal ça. Alors, gain de ki primaire, on s'en fout. Réduction de dégâts en parent. Ah, dégâts au corps à corps, très bien. Durée des malus, on s'en fout. Accumulation d'altération, on s'en fout aussi. Parce que ça, c'est pour, c'est pas pour les ennemis, c'est pour moi. Donc ça, c'est deux trucs, on s'en fout. Par contre, ça, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Nous, on a quoi? Nous, on a gain de puissance en parent. Putain, à la limite, faudrait enlever ça. Mais du coup, je détecte plus les ennemis, en fait. Dégâts d'esprit, d'attaque d'esprit, full des arts martiaux, dégâts subis moins. On pourrait faire ça. Que nous, on a gain de puissance en... d'art martial. Ouais. Parce qu'à la limite, celui-là, on s'en fout un peu. Et comme ça. Défense en parent, c'est vachement utile. Vas-y, m'attaque-moi. Ouais, ça se déclenche. Après, j'avoue d'avoir le dégât en parent aussi. Bah, oui, enfin, c'est... Non, c'est mal. Enfin, je voudrais bien mettre les deux, moi. Action dégâts en parent. Mince, c'était quoi qu'on avait mis? Je me rappelle plus. Ça. Dégâts infligés. Après, ce qui est embêtant, c'est que ça fait partie d'un set. Ferveur spirituelle en cas de restauration. Ça, c'est pas mal. Restauration des PV, ça fait quoi faire ferveur spirituelle? Augmente le gain d'esprit en attaquant. Je crois qu'on l'a déjà avec autre chose, non? Ou c'est que des malus? Non, c'est que des malus.
Donc à la limite, on pourrait mettre ça aussi, c'est potable. Ça aussi c'est potable parce qu'on récupère de la vie quand on fait des prises. Il y a celui-là qui est vachement bien, restauration par an. Célérité, restauration des PV. On va essayer de jouer comme ça. Ouais, on va essayer de jouer comme ça. Donc maintenant, je vois plus les ennemis par contre. Par contre, je vois toujours les drapeaux. Peut-être faudra faire un tout petit peu plus attention, mais ouais, c'est peut-être pas mal. Pareil, on augmente notre attaque et on augmente notre défense. Je trouve ça très potable. Ce pareil, c'est un peu le truc qu'on fait tout le temps. Et merde. Merde. Oh là là, caméra. Parce que faire des arts martiaux et récupérer un boost d'attaque, c'est très bien. C'est vrai que nous, on le fait souvent. Mais si on peut... Mais pareil, en fait, on le fait encore plus souvent. Donc si on peut, même en tapant normalement, avoir un bonus comme ça, autant le prendre. Voilà, ça c'est le début. 4 sur 7 et 3 sur 6. Je pense qu'on est... Les objets sur les côtés. J'ai jamais regardé sur les côtés en fait. Bah du coup. Là on a la statue qui branle rien. Ah, ça nous fait des dégâts. Bande de chocs. Waouh. Très bien. Il paraît qu'il y a un événement avec Oolong. Enfin, c'est pas un événement, c'est une featuring, coop ou je sais pas quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, par contre, sans la foudre, ils sont relous. Là. Ouais, non, mais ils sont horribles. Mais ils y ont... non mais j'arrive pas, je vais pas y arriver. Oh mais fuck.
Par contre, je voudrais bien monter. Non mais je les fais pas, hein. Non mais c'est bon. Hein. Je mets 3 ans à les tuer en fait. J'ai pas les... Non, on va pas les faire. Mais attendez, je vois les ennemis. What? Ouais, dans le coin, ouais, bonne chance pour survivre à ça. Pourquoi je vois les ennemis? Je suis pas censé les voir. Maintenant, je les vois plus en fait. Je les ai vus ce soir. Je sais pas ce qui se passe. Pas grave, on s'en fout. Ah ouais, le seul problème que je vais avoir à la limite, c'est pour les... Oh là là... Les assassins là, con, hein. Merde! Oh là là... Oh. Même pas les dégâts en fait, c'est mon moral quoi. Bon bah c'est bon, de toute façon je peux plus aller plus bas. Ça va toi? Mais j'arrive pas. Par contre on prend quasiment rien, c'est marrant. Le mec, on le one shot quasiment. C'est limite du one shot quoi. On a mis genre 2 minutes à le tuer. Ouais, ouais, non, mais la protection en parent et tout, c'est top. Qu'est-ce que j'aime pas, c'était pas... Tiens, on a touché les deux avec mon stab. Allez, 16. Là, on fait du mauvais boulot, on a tout perdu notre morale. C'est catastrophique. Non, c'est pas grave. Ninja, non, assassin. Il nous faut un petit drapeau. J'ai peur qu'on l'ait loupé. C'est mauvais signe ça. Non, c'est très très bien ce qu'on a fait là. Très très bien. Genre défense et tout ça. Ouais ouais, non, on prend quasiment rien, c'est cool. Ça fait plaisir. Par contre, il manque un petit drapeau. Ça c'est moins bien.
Ah, je peux pas bouger la caméra. Ah, mais c'est parce que je suis locké en fait. Je suis con. C'est pour ça que je peux pas bouger la caméra. C'est parce que je suis locké sur la personne. Donc, du coup, en théorie, je peux. Par contre, je sais pas où est le. Eh ben là. Ouais, parce que si je fais ça, je peux tourner. Voilà. Si je déloque. Il y a du monde sur qui sauter là. On va aller à l'intérieur, il n'y a pas d'objet. Bonjour les mecs. Pas sympa de taper dans le dos. C'est bon, on y va. C'est qui ça déjà, le boss? Je m'en rappelle plus. C'est marrant parce que les missions qui duraient une heure et demie des fois, maintenant on les fait en 30 minutes. Bon après c'est parce que mon build est vraiment puissant dans le sens où c'est rapide en fait. Pas trop de magie à faire, là c'est vraiment on tape. Bah c'est du weapon art, hein, c'est de l'art martial en fait. L'art martial c'est très... Ah c'est Zangliao. Non. Oh non. Oh là là les dégâts. Il m'a tué. Ah non, pas Zangliao. Je vais passer un petit moment. C'est que quand il a pas son arme qui est allumée, merde. Là du coup on peut le stun. Merde. Voilà, c'est bon, on lui enlève. Merde. Ah! Ça buff tellement vite. Oh là 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 là. Mais! Mais il m'a achevé. Oh, vache. Merde. Pas deux fois qu'on se relève. J'arrive pas. J'ai plus de vie aussi. Oh, Zangliao. Zangliao, c'est le pire. Honnêtement, je crois que c'est l'humain le plus puissant en fait du jeu. Facilement.
facilement l'humain le plus puissant du jeu. Il a une épée qui est très rapide et en plus il s'en sert comme lance. Quand ça lui chante. Donc, ouais. Peut-être envie de prendre plus de défense par contre. On va voir. Super. Je fais de la merde. Ah là là, cette attaque, elle est très chiante à parer des fois. Go go go. Yes. Mon dieu, quand il fait ça, c'est une horreur. Je crois que c'est la pire des attaques, c'est celle-là. Quand il s'en sert comme une lance. Ouais, j'ai bien envie de... C'est quoi qui est bien contre la foudre? C'est le métal. Faudrait que je l'empoisonne. J'arrive pas à l'empoisonner. J'arrive pas à l'empoisonner. Mon dieu, il s'en sert comme double lame en plus. Oh là là, ma vie. Il est full bleu? Ah non, il est en train de charger son bleu en fait. J'avais pas vu qu'il pouvait faire ça. Ah bah, c'est ça. Merde, c'est mort. Hein. J'avais pas vu qu'il pouvait charger son bleu juste en maintenant sa lame là, comme ça. Non, mais je peux pas l'empoisonner. Hein. Non mais je vais pas y arriver à la place. Oh là là. Non là 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 arrête. Non. D'affilée. Ça, on lui met des debuffs au moins. Oh la vache. Oh là là, les éclairs. Je vais mettre le debuff que je mets en faisant des arts martiaux là. Je crois que c'est son esprit réduit plus vite. Je crois. Vulnérabilité spirituelle en arts martiaux. Ouais, ça c'est bien ça. Donc faut que je fasse mes arts martiaux plus souvent. J'essaie. Let's go.
mec, il enchaîne ses... ses coups, mais... Ah d'accord, super. Non, mais ça m'a tué en plus. En plus, j'ai esquivé, hein. J'ai paré. Hein. La distance. J'ai même pas eu le temps de m'esquiver, quoi. Okay, cool. Ouh là là. C'était osé, ça. On va faire comme ça. Merde. Allez, très bien. Ouais, ouais, ouais. Là, on a... J'ai changé un peu mon gameplay. D'accord, Léon. Tu es fait trahison par ce que tu... J'ai un peu changé mon gameplay. Donc, j'ai fait ça, surtout. Parce que c'est super rapide, en fait. Et en plus, ça met hors de portée. Pour lui mettre le debuff de l'esprit. Et du coup, on a pu le... Le détruire, en fait. Détruire son esprit plus facilement. Donc ça, c'est une bonne chose. Là, il fallait s'adapter, là, parce que, putain, c'était un peu la merde. Ça va, je suis content. Je suis content. Par contre, on a eu des trucs. Des trucs. Ça, c'est quoi, dégâts subis en moins? Chaussure du champion. Ouais, mais ça, c'est moyen. Ouais. Le champion de Taishan, c'est intéressant. Mais c'est moyen. Par contre, les dégâts subis à chaque fois, nous, c'est 1.9, je crois, quand on met sur un équipement. Et là, on arrive à 2.4. Donc, bon, 0.5 à chaque fois. Ça nous fait déjà 2% si on prend 4 parties d'armure. Ça nous fait déjà 2% en moins. En plus. De moins en plus. Ah, vous avez vu, regardez, c'est 4 étoiles les deux. Mais il y en a un avec plus d'effet que l'autre. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est de Zangliao, ouais. On a eu deux parties en 5 étoiles. Ça vaut le coup. Hein. Par contre, c'est une moyenne, quoi. Ça m'intéresse pas des masses. Toi, t'as quoi, réduction de coup? De parade en contre-attaque. De parade contre-attaque. Réduit le montant d'esprit dépensé, ok. Célérité. Avec un art martial. De puissance en frappe mortelle, dégâts au sabre droit. Ouais. Bon, non, c'est pas un sabre droit, et honnêtement, j'ai pas envie de rejouer, enfin, j'ai pas envie de changer d'arme.
Mais bon, on pourrait prendre l'armure, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Non. Non, elle est pas très bien. Elle est pas très bien pour ce qu'on veut faire. Elle est pas très très bien. Ah, on a débloqué un... Oui, parce qu'on a augmenté notre progression. Vous avez vu? C'est haut niveau, ça. Plus haut que moi. Intéressant. Donc, on continue. Allez. Ouais, ça va prendre un peu de temps, hein, celui-là. Celui-là, il est long. Hein. Ça prend un petit peu de temps. On va la virer. Oui, oui, je sais que tu veux ton frère. Voilà, merci. Peut-être une erreur de foncer sur... enfin, faire cette mission maintenant. Non mais, et oh, t'as une grosse là ? Bien te faire mettre. Une grosse hache, le mec il fait que des roulades quoi. C'est ouf ça. Mon dieu. Ah, ils sont bien relous ici. Hein. Je crois qu'il y avait un objet. Non. Je sais pas. Je vois rien avec ce blanc, honnêtement, donc bon. Bizarre, pourquoi je les vois? C'est parce que je les ai vus moi-même, enfin mon perso les a vus. Je sais pas comment ça fonctionne. Très bien. Oh là là! J'adore, moi c'est la vitesse avec laquelle on défonce le truc. Oh, y a un mec qui nous suit. Vite. Arrête, arrête, tu vas me tuer. Tu risques de me tuer, honnêtement, c'est pas fun. Très bien. On va lui sauter dessus. Ou pas. Loupé.
Faut que j'utilise cette attaque plus souvent en fait. La rapide là. Comme ça je mets le debuff en fait sur les gens. C'est vraiment pas mal hein, au final. On a toujours pas de, carreau arbalète à répétition. C'est magnifique. C'est vrai que c'est un plan à la con hein, d'inonder le château comme ça, c'est vraiment... Après c'est efficace tu vas me dire mais bon. Si je faisais ça... Non. Je déconne, je vais pas utiliser la... Le glaive, parce que non, j'aime pas du tout. Trop lent. Voilà, chaque fois hein. Incroyable ce truc. Suivant. Moi j'adore ce truc. Par contre là, ça va faire chier. Okay. Merde. Ok. Sois débile. Ah non. D'accord. T'es pas complètement débile. T'es juste incompétent, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Donc, ça va. On va devoir refaire le tour parce qu'on aura en vélo. Oh, c'est une des pires ces maps. Hein. Je... Voir la pire. Merde. Je l'ai tué. Je pense que c'est la pire des maps. Je dirais que c'est la pire personnellement. Tiens, j'ai plus les glitches. J'avais des glitches la première fois que je t'ai vu. Merde! Ça va. Bon, je sais pas quelle raison il nous a pas touché. Là, c'est les 16+. Ouais, mais on s'en fout en fait. Y a un drapeau avec les 16+ ou pas? Je crois pas. Hein. Tu sais qu'il y a un drapeau dans une tour immergée, mais... Par contre, c'est un peu dangereux. Comme ça, ouais, ça passe. Non, mais il n'y a rien en fait. Il n'y a que dalle. C'est par là qu'il faut passer. Oui, je crois. Putain, il est rapide.
Merde. Ah. Mais à 11. Je peux plus faire mon truc de terre. Oh merde. Oh merde, deux fois. Trois fois. Ils vont me tuer, c'est cool. Non, ils sont teubés. Non, ça va. Bah les mecs. C'est vraiment con. C'est con que tu sois bloqué par le terrain. C'est vraiment triste. On a ça à faire. Un archer juste devant, il va peut-être me voir. Mais... Ah, je pars plus. Ça veut plus. Un peu à fatiguer là. Bon, après on avance, hein, mais c'est que je suis vraiment pas fan de cette note. On en a encore un petit moment. On va devoir faire le centre. On va devoir revenir un peu en arrière aussi pour les drapeaux, au pire. Ça, il faut les faire. Et après, on a le camp, le campement là qui est juste devant le la porte du boss. Donc ouais, il y a beaucoup à faire encore. Oh merde, merde, merde. J'ai oublié ça. C'est marrant, des fois ça les fait tomber comme ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui fait ça en fait exactement. Ah d'accord, putain, ça a tué quoi. Ok. Il y avait des objets, mais je dois juste enlever l'eau en fait. Comme ça, on peut déjà commencer à revenir en arrière et tout. Sûr d'avoir ok d'accord. Ah on s'est ouais. on a pris cher, méga cher par contre. Non, j'ai cru que j'étais en léger, mais en fait non. Pas mort.
Voilà. Oh, c'est parti. Revenu, on retourne. Il retourne. Ça faut monter. Très bien. Lui est passé dans le dos ou pas? Sérieux? Ah, quand même! Non, non. Et là, tu tombes. Voilà. Juste aller récupérer l'objet qu'il a fait tomber, c'est peut-être un objet rare. Non, vu la flamme, non. Dans les options aussi, on peut genre ne pas afficher si c'est pas des objets genre 4 étoiles ou 5 étoiles, des trucs comme ça. J'ai bien envie de virer ça, mais bon, c'est vrai que de savoir ce qu'on ramasse, c'est quand même sympa. Okay. D'accord, j'arrive pas, j'arrive pas à les sauter dessus. Non. Pas grand chose qui résiste. Merde, deux fois quoi. Ah, ça fatigue. Par contre, je sais pas. Il manque trois drapeaux. Oh là là. Deux maintenant. Je crois que je sais, il y en a un chez Loubou. Devant le tableau. Le truc là. Où il est en fait. Et je crois qu'il y en a un sur une des tours. Donc en théorie, on a plus ou moins fini. Bon, faut juste le détecter en fait. Ah, il est là. Là, 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 là. Ah! Non, c'est bon. Ah, on fait le... Oh, on a qu'à le faire. Mais...
Oh, on l'avait même pas activé quoi. Merde. Ah putain. Tombe. Très bien. Je me suis loupé, il m'a touché en fait. Ça m'a bloqué. Ok. Il y a peut-être un gros drapeau qui est à une tour au début par contre. Faudrait qu'on prenne de la hauteur, je crois. J'ai un doute. Quoique non, non, peut-être pas. Non, peut-être qu'on est bon. Tu vois, il nous en manque deux. Ah, il y a deux objets là. Ah là là. Merde, c'est par où? Comment comment on remonte? C'est là. Coucou. C'est encore nous. Ouais, je pense qu'on a encore un grand drapeau devant Loubou et un petit aussi. Un petit dans le camp, juste devant chez lui. Je pense qu'on est bon. Temps. Merde. On vient de sauter sur un mec. Avant que l'autre nous rattrape, c'est bon. Il y a du monde à côté de lui? Ouais, il y a du monde. Aïe aïe aïe. Ah! Oh là là! Oh là là! On les tue petit à petit comme ça. C'est énorme. Aïe. Oh merde. Mais il est où? Ah, il est là-haut. D'accord, je sais pas par où. Là, il faudrait la musique de Benny. Non. Oh mon dieu, il te lâche pas par contre, c'est ouf. Ils sont assez violents. Hein. Merde, tombé. Aïe 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 aïe. C'était vraiment con en fait mais... de faire ça quand même. Je vais pleurer quand même de te baisser. Okay. Bien joué.
toi t'es 21. What? Ah, tu m'as tellement tapé que... Oh là là! Ah bah oui, en fait, ils passent tous au... en 21, c'est bien. Je fais de la merde. On aurait pu tous les tuer, genre... normalement. Tuer. On aurait pu tous les faire normalement, on n'aurait eu aucun problème. Bon, par contre, il faut vraiment que je prenne le drapeau, parce que là, ça commence à me gaver. Je sais pas par où on passe, en fait. Pour monter. Oh, mais c'est à l'intérieur. Putain. C'est à l'intérieur. J'arrive pas, je suis bloqué, je peux pas sauter. Ouais, je peux pas sauter. Parce que j'arrête pas d'esquiver si je saute. Voilà. Bon, on va essayer de les tuer parce que là ça commence à être ridicule. Je suis positif, hein, ils essayent pas d'esquiver quand on les cible. Hein. Avec des armes à feu, hein. Des armes à distance. Ah, what? Ah, c'est un inconvénient de pas voir les ennemis quand même. Par contre, je sais pas comment on va le combattre, le loup. Qui va être un peu relou, honnêtement. On peut lui mettre du poison, je me rappelle plus si on peut lui mettre du poison. Merde! Bravo! Je crève, ça va être la misère. Non! Non! Ah, au lieu de faire le con, là... On est ouf, ouais, on est pas trop loin. Au moins on a tous les drapeaux. Lol. J'ai été surpris par le fait que les autres ils nous ont pas lâchés. Hein. Tant qu'on n'était pas mort, ils nous ont pas lâchés du tout. Hein. Donc ça c'est une bonne chose. Enfin c'est l'IA elle est pas mal. Quoi.
Très bien. Voilà. Les autres, ils s'en branlent complet, c'est bien. C'est bon. Encore une fois, sans glace, ça va être bah, compliqué. Honnêtement, sans glace, c'est très compliqué, Lugo. C'est pas vraiment la chose à faire. Hein. Donc, bon, on va voir un peu comment ça se passe. Je préférais le faire avec les sorts de mage, là, quand on était en mage. C'est bien parce que j'avais testé le mage juste pour cette mission-là. La première fois que je l'ai fait. Et du coup, c'est super bien tombé parce qu'on a Lubu en monstre là. Et on lui faisait la glace, il prenait tous les trucs. C'était. Il m'a enlevé déjà toute ma vie. Je vois rien! Mais t'es méga lent, t'es horrible. Oh là. Faut voir si on peut lui mettre le poison, m'étonnerait. Merde, c'est quoi cette attaque de merde? D'accord. Waouh, elle a bien été mise à jour cette attaque. La vache. Oh la taille de sa lance. Débile. Bien, je vois pas quand il retombe parce que là il est tellement proche de moi. J'aime bien parce que le feu en fait laisse une traînée. J'ai déjà plus de vie. J'aime bien le tennis. Ça lui fait rien en tant que dégâts d'esprit. Ah, on éteint comme ça. Ouais, là on a trouvé une bonne enchaînement. Bon enchaînement, mais on est un peu trop bas en vie. Oh mon dieu, il m'a touché. Comment il m'a touché? Le coup de lance, j'étais sur le côté. La hitbox, elle doit être énormissime en fait de la lance. Ouais, c'est pas grave. Bon, en fait, on y arrive pas trop mal hein, sans en glace. Si ça me saoule trop, on passe en mage. On passe en mage, le machin, on défonce en 3 secondes. Ma vie. Merde. Ah,
go, bam. Go, go, go. Yes, on l'éteint. On se buff, comme ça, ça nous met en négatif, puis après on lui saute dessus, ça nous remet en positif. On lui refait ça. Encore. Mais c'est, elle est débile cette attaque. Nickel, go, da. Presque, encore. Très bien. Buff. Attaque. Ok, bien. On va faire ça aussi. C'est vrai. J'arrive pas à lui mettre la terre. J'aime bien ce qu'il se prépare. Regardez. Ah merde! Je croyais que j'avais fini, pardon. J'ai merdé. Go, 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 go. Go, go, go. Voilà, bien. Nickel. Que 4 élixirs, c'est un peu chaud, mais... on va essayer, hein. J'arrive pas à lui mettre la terre, c'est bien. Go, go, go. Go, go, go. On va le faire tomber. Nickel. Ça va, ça marche bien. Dès qu'on a trouvé un petit genre combo. Genre le mieux c'est quand on se recule un peu, il nous saute dessus. Là on le bloque. Bah, par contre si on le part pas, bon ça marche pas. Hein. Bon on le part. Donc ça lui fait des dégâts. On enchaîne directement avec notre attaque. Avec l'art martiaux. Ça lui détruit quasiment tout l'esprit. Et si ça le fait pas, on va lui parer juste son attaque qui fait genre une sorte d'explosion là. Et après on le refait. Non, ça marche super bien. Ça marche méga bien. Cet enchaînement. Ouais, le bout c'est comme ça, de toute façon. Le bout c'est... si vous parez pas, vous gagnez pas. Hein. Il marche que en parade, hein, le bout. Il a tellement d'HP et on lui fait rien. En dégâts. Il faut parer et faire des attaques mortelles, c'est tout. Il y a rien d'autre. Il y a vraiment rien d'autre. Rien d'autre à faire contre lui. Ou alors, mage. Avec de la glace. Ou alors, mage avec de la glace, plein de glace. Vous spammez le truc, c'est très très mal. La terre aussi, il a pas l'air de trop aimer, mais j'arrivais pas à lui mettre. Enfin, on y était presque à chaque fois. Dégâts d'esprit des arts martiaux. C'est le champion. Esprit d'attaque d'esprit. Bandit. Casque de lutteur. Endurance de faille. On sait pas ce que c'est. Augmente l'endurance de faille. C'est bien ça. Ça, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore. La faille. Je crois que c'est les abysses. De Nioh en fait, c'est le même système, je suis sûr que c'est ça. Alors, stratège de génie. Tiens, moi je vais en profiter, je vais voir si on peut pas faire le mage là, ça là. Enfin, c'est pas vraiment un mage en fait. Parce que là, on gagne quoi? En fait, c'est les accumulations qui est intéressante et ça. Dégâts aux ennemis avec malus. Après, on a la durée des malus aussi. Mais moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, à la limite, voilà. Mais après, réduire les dégâts infligés aux ennemis. Augmenter les dégâts subis. Ouais, non, les deux. Enfin, non, c'est intéressant, mais c'est pas.
À la limite, c'est plus comme le système de la grâce, là. C'est quoi ça? Chapeau d'Oxum. Ah oui, le régène là. Ouais, le régène. Ouais, c'est plus comme la grâce là qui met des altérations d'état. Oui, j'ai ça aussi. J'ai récupéré ça. Donc il a ça là. Il a bonus d'encens, peut être récupéré avec une pièce d'équipement en moins. Cet effet n'est pas cumulable. Donc ça, c'est le même système que Nioh. Il y avait exactement la même chose. Par contre, je l'ai moi sur le turban du stratège dragon. Et honnêtement, c'est. Je sais pas si. En fait, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas sur d'autres parties. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui est seulement là ou ça peut être sur n'importe quoi. Après, l'effet spécial, c'est pas énorme. On augmente le nombre maximum de remèdes. Bon, déjà, c'est de l'équipement léger, donc c'est pas le top non plus. Après, il y a que trois choses en fait, trois effets. Donc, c'est pas, hein, c'est pas un truc très intéressant du coup, mais bon, ça existe. Crêpe de lutteur, la grâce de Limbao, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, ça ferait quoi? Temps d'esprit, dégâts infligés. Le truc, c'est que là, c'est un peu de tout en fait, les trois trucs. Donc là, on a de l'art martial. Là, du sortilège. Et là, la frappe mortelle. Voilà, grâce. Si on veut jouer debuff, en fait. Malus, si on veut jouer malus. Je dirais la grâce de Lingbao est plus intéressante. Après, bon, il faut jouer un peu de tout, quoi. C'est ça le problème de ça. C'est que, genre, là, il faudrait faire de l'art martial. Donc, bon, si on est quelqu'un qui l'utilise pas du tout, parce qu'on n'utilise que des magies, bon, on est un peu dans la merde. Enfin, voilà, il faut vraiment faire de tout, en fait. Frappe mortelle, tout le monde l'est fait, ça, y a pas de problème. Mais sortilège et art martial, oui, bah, faut y penser. Donc, du coup, c'est plus intéressant d'avoir tout sur une seule chose. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ça peut être intéressant là. Celui-là, là, ça peut être intéressant. Celui-là, par exemple. Ouais, là, on a frappe mortelle et frappe mortelle. Là, on a les deux sur la frappe mortelle. Donc, pour moi, c'est mieux. Et après, pour le mage. Nous, ce qu'on utilisait, c'était quoi? Désolé, hein, je parle un peu des sets. Bon, PV, on s'en fout. Réduit le nombre d'esprits pour les sortilèges. Oui. Gain de puissance pour les sortilèges, ça c'est bien. Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas en fait de trucs trop pétés en fait, au final. Il n'y avait que le gain de puissance qui était facile à mettre parce que, voilà, parce qu'on faisait des sortilèges tout le temps. Ouais, non, en fait, c'est pas si bien que ça, hein. Notre set qu'on a utilisé, c'est pas transcendant quoi. C'est pas le truc super parfait. Du coup, on pourrait utiliser l'autre. Ouais, je vais voir pour un. Ah oui, il faut que j'enregistre le mien. Je vais voir si on peut pas faire un truc. Non, c'est pas ça du tout. Oui, on avait dit qu'on voulait voir si on pouvait pas mettre tout en eau en fait. Pour à la limite les attaques de distance, je crois. Je vais voir. C'est bien qu'il vous montre les stats qu'on perd et qu'on gagne en fait. Quand on change. Ouais, genre là en plus j'aurai plus de dégâts avec mes armes à moi parce qu'elles prennent l'eau en compte. On utilisera moins d'esprit pour parer. Bon, discrétion, on s'en tape complet. Ouais, 129 en plus pour le tir. Par contre, on perd 94 d'HP. Quand même, j'avoue que c'est pas rien. Je sais pas en fait si c'est vraiment une bonne idée.
Ouais, non, je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin, c'est pas grave. Ouais, on va tenir ça comme ça. J'ai envie de dire, on va virer peut-être les HP. Non, enfin, on va virer peut-être l'eau. Non, mais ouais, non, mais c'est mieux quand même de... Je pensais pas qu'on allait perdre autant d'HP, en fait. Je pensais vraiment pas qu'on allait perdre autant d'HP. Si c'est pour gagner quelques dégâts avec l'épée ou alors des dégâts avec les tirs dans la tête, on s'en fout quoi. Non, on va pas faire ça. Je sais même pas quel animal j'utiliserais en temps normal, parce que là c'est pour farmer. Détection des ennemis. Recharge de munitions, on s'en fout. Non, durée des bonus. Bon, il y a celui-là pour amplificateur de dégâts. K, 2, c'est quoi? 2 frappes mortelles. Non, c'est celui-là que je vais. Restauration de PV en cas de coup mortel, je crois. Après, on a la perte d'esprit en moins. Ou alors du soin. On pourrait utiliser un peu tout sauf celui-là en fait. C'est pas vraiment utile. Enfin bref, c'est pas grave. On va s'arrêter là. Désolé, j'ai pris un peu de temps. Je vais essayer de faire un mage ou une sorte de debuffer après. Pour le prochain niveau. On verra si ça fonctionne. Sinon on repasse sur ça parce que honnêtement j'aime beaucoup ce gameplay là. Et je crois qu'on va utiliser la même épée. Mais ouais, du coup on n'aurait pas d'éléments sur cette épée. Ça c'est embêtant ça. On va voir. Ouais, ça va pas être... Faudrait peut-être l'épée de Kao Kao, du coup, si on fait un... Si on repart sur du mage. Je sais pas. On verra. Ou alors faudrait une variante. Ouais, peut-être une variante. Ouais, bon, bref, on verra. Désolé, à la prochaine, ciao.